course maintenant. Valrose qui a marqué une petite hésitation à la sortie des stalles de départ. Et Valrose qui se retrouve en tête avec Mitsurin Kotawaz. Il est en troisième position, précédant Talissa. Et c'est noté à Roma, le numéro 3, qui galope à l'extérieur. Waze qui vient maintenant s'installer au commodement pour aborder le dernier tour de piste avec Mitsurin qui tente de lui résister côté corde. On a sauté le passage de route avec Wiz qui a pris l'avantage. On voit très vite dans cette épreuve de 1600 mètres avec Wiz à l'extérieur, avec Mitsurin, avec Valrose qui est là également en dedans. On vient ensuite avec le numéro des Noté à Roma et c'est Talissa, le numéro 4, qui ferme la marche. Il y a du train dans cette épreuve avec Wiz, le numéro 1, et Karin Swallen qui dirige toujours les opérations. Mitsurin qui aime qu'on s'abarde étant deuxième position, précédant Valrose côté corde. On est là avec le numéro 3, Noté à Roma, en quatrième position. Et c'est toujours Talissa qui vient plutôt côté corde, qui est à l'arrière-garde de ce peloton groupé, qui va bientôt attaquer le tournoi final de cette épreuve, avec toujours Waze qui est le meilleur. Valrose dans son sillage, avec toujours à l'extérieur Néouvon, le numéro 2, Mitsurin et Olivier Placet qui précèdent le numéro 3, Noté à Roma, Cédric Arnois et Clément Lheureux, Talissa qui sont toujours à l'arrière-garde de ce peloton groupé, qui va bientôt déboucher dans la ligne droite. Est-ce que les concurrents vont se... Oui, Waze est parti tout à l'extérieur, ce qui permet à Valrose de prendre maintenant le meilleur. Talissa qui progresse également en dedans. On a vu quand même un peu de peine à tourner. Maintenant, ils sont les 5 quasiment de front à mi-ligne droite avec Valrose qui semble maintenant se détacher. Mais Talissa côté corde et les 3 Ernie qui sont en la lutte pour la victoire avec Valrose avec qui a le meilleur. Avec Talissa côté corde, avec Noté à Roma, Waze qui revient, mais ce sera trop tard. Avec la victoire pour Valrose, le numéro 5 qui va s'imposer. La deuxième place va être serrée entre Noté à Roma qui va peut-être prendre cette deuxième place devant Talissa et Waze prendra la quatrième place. Les 3 Ernie aux 3 premières places de cette compétition. Déception avec Waze, on l'a vu, il a mal négocié le tournoi final, la sortie du tournoi final. La victoire est pour Valrose, le numéro 5, devant le numéro 3, Noté à Roma. Troisième place pour Talissa, le numéro 4. Et Waze venant ensuite devant Mitsurin. Le 5, Valrose, monté par Cheryl Shore, qui a bien tourné sur cette piste. Invaincu sur le tracé intérieur, 2 sorties, 2 victoires. La première, c'était en 2018. Là, on est en 2021. Cette Valrose, toujours là, avec Cheryl Shore, s'impose donc. On la voit dans la phase finale. Talissa est venue également dedans, mais ne pourra résister à Noté à Roma, qui s'est véritablement plu sur les 1600 mètres de la piste intérieure. La troisième place est pour Talissa. Et Waze cause une grande déception. On ne terminons que quatrième de cette épreuve, mais on a vu qu'il a très